Libérez-moi, pitié. Pourquoi vous a-t-on enchaîné ici? J'aimais pas le vieux Gretter, ça non. Mais j'ai jamais voulu sa mort. Pitié. Détachez-moi. On m'a accusé de meurtre à tort. Vous avez l'air sincère. Merci. Je l'oublierai jamais. J'ai pas de quoi vous payer, mais si on se revoit un jour, je trouverai un moyen de vous remercier. Vous pouvez marcher? Vous inquiétez pas pour moi. J'ai juste besoin de repos. Merci pour votre aide. Passez vite, tablette. C'est triste pour le vieux Gretter. C'était un honnête homme. Ouais. Et il buvait presque pas. Mais cette raclure de Yorg, par contre, l'enchaîner au rocher, c'était trop charitable. On aurait dû l'écorcher vite. C'est pas vrai. Mon frère était gentil. Du calme, petite. Du calme. Mon frère était un homme fourbe, un criminel. Buis-le vite. Que s'est-il passé ici? Mon frère, ils l'ont enchaîné au rocher, à cause de moi. À cause de toi? Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas l'oncle Gretter. Il était gros et puant. Un jour, j'ai raconté à mon frère que l'oncle Gretter faisait des choses. Yorg est devenu foudrage et il l'a tué. Ensuite, ils l'ont attrapé et enchaîné au rocher. C'est la loi par ici. Un meurtrier doit être puni, même s'il a tué pour sauver quelqu'un d'autre. Oui, mais j'ai menti à Yorg. Donc le Gretter m'a jamais touché. Il puait et je l'aimais pas, mais c'est tout. Et maintenant, Yorg va mourir à cause de moi. Ne t'en fais pas, tout ira bien. J'ai libéré ton frère. Il viendra bientôt te chercher. Vraiment? Oh, merci! Merci! Je ne mentirai plus jamais de ma vie, c'est promis!